certains vont désormais adopter une alimentation plus sobre. Le mercredi des cendres marque en effet le début du carême pour les chrétiens. C'est un temps de jeûne, de prière, de pénitence qui dure 40 jours et qui se termine avec la fête de Pâques. Les précisions d'Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, au micro d'Olivier de la Richaudie et Séphiane Dey. Mercredi des cendres, c'est le commencement du grand temps de carême, c'est-à-dire les 40 jours par lesquels nous nous préparons à célébrer la fête de Pâques. C'est tous les événements de l'arrestation, la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Nous prenons 40 jours, c'est une pratique très ancienne dans l'Église, à l'exemple d'ailleurs de Jésus, 40 jours de jeûne, de prière et d'activités charitables plus intenses pour nous convertir le cœur et nous préparer à célébrer la vie divine que Jésus nous donne à travers sa mort et sa résurrection. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.